Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Mathilde, comment ça va ? Bonsoir, ben ça va très bien, merci, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ce soir et d'ailleurs, ben, dites-nous avant qu'on commence en commentaire où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous vous trouvez. Vous le savez, moi, Montpellier, toi Mathilde, pas très loin je crois. Montpellier aussi maintenant, exactement. Donc, on est juste à côté, donc dites-nous d'où est-ce que vous nous regardez ce soir, on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. Qui puissent se connecter à ce live. Et après, Mathilde, tu pourras te présenter à tout le monde, bien évidemment. Donc, vous l'avez vu, hein, évidemment, ce live ce soir sera autour d'un gros sujet qui est un petit peu trop peu abordé ou complexe aussi, c'est vrai, parfois. Donc, on va parler du diabète. Alors, déjà, on va attendre qu'il y ait plus de monde. On va le répéter, évidemment, tout au long de ce live, mais que ce soit Mathilde ou moi-même, voilà, on n'est pas médecin. C'est important voilà. de le rappeler. Mathilde va vous le rappeler aussi. Mais je trouvais intéressant, et on y viendra après, d'avoir un autre point de vue que celui d'un nutritionniste ou justement d'un médecin pur, mais vraiment ton avis à toi de kinésithérapeute, et tu nous diras ensuite pourquoi ce sujet te tient particulièrement à cœur aussi. Donc ça, tu pourras nous le dire. Alors, je regarde un petit peu le chat. D'où est-ce que vous êtes ? Seine-Maritime, Belgique, Tourcoing, Clermont-Ferrand, vous êtes encore une fois d'un petit peu partout, Belgique. La Suisse, Monaco, cool. Vous êtes de partout, merci encore à vous tous d'être présents nombreux et nombreuses ce soir pour ce sujet. Mais écoute, Mathilde, je te laisse te présenter rapidement. D'accord. Je suis masseur kinésithérapeute. Je travaille aujourd'hui dans un centre de rééducation à côté de Montpellier, donc au Gros-du-Roi. Et on est spécialisé sur la prise en charge de personnes amputées. Et dans le centre où je travaille, il y a aussi un secteur qui est dédié aux maladies métaboliques, donc notamment le diabète. Voilà. Donc, je trouvais ça hyper, hyper important. Et du coup, Mathilde, c'est ce que tu me disais il y a quelques mois maintenant de ça, où on parlait de ce sujet. Voilà, Je trouve qu'on en parle trop peu. Je trouve qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Il ne faut pas tout de suite dramatiser, etc. Parce que c'est une maladie qui est chronique. Et souvent, le diagnostic n'est pas évident à encaisser pour les patients parce qu'il n'y a pas systématiquement de symptômes au départ du diabète. On vous dit que vous êtes diabétique, mais vous vous sentez bien. Il n'y a pas spécialement de trucs. Sauf que, y a plein, par contre, d'effets secondaires liés à un diabète qui peuvent entraîner des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de circulation du sang, etc. etc. Et tous ces problèmes peuvent entraîner des très gros problèmes derrière qui pourraient être évités si le diabète est bien équilibré, bien régulé et bien suivi médicalement. Donc, je pense qu'il faut beaucoup en parler au contraire. Ouais, mais tu as raison. Et d'ailleurs, pour parler de ça, tu vois, tu disais certaines ne le savent pas qu'ils l'ont, etc. Et c'est très compliqué à déceler. Vous avez été nombreux et nombreuses aussi à envoyer vos questions. Donc, évidemment, on va essayer d'en prendre quelques-unes. En tout cas, d'aborder des sujets un petit peu généraux, je dirais, pour aller vraiment vers la précision, en tout cas de détailler un petit peu tout ça. Est-ce que c'est, on a eu la question, est-ce que c'est héréditaire finalement le diabète ou pas du tout ? Alors si, ça peut être héréditaire. Déjà, il y a deux grands types de diabète. Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc le diabète de type 1, c'est plutôt quelque chose qui va toucher les enfants ou les adultes jeunes. C'est vraiment quelque chose
on l'a, donc oui, c'est héréditaire. Après, si un parent a fait du diabète de type 2, ben, on peut aussi potentiellement avoir des facteurs de risque pour avoir un diabète de type 2. Mais en gros, le diabète de type 1, c'est une défaillance du pancréas. Le pancréas, c'est un de nos organes qui sécrète une hormone qui s'appelle l'insuline. Et l'insuline, elle est censée réguler le taux de sucre dans le sang. Donc le taux de sucre, ça s'appelle la glycémie dans le sang. Et si cette hormone n'est pas sécrétée par le pancréas, et ben, votre taux de glycémie, il n'est pas assez bien régulé. Et à ce moment-là, il y a des gros problèmes qui peuvent être liés à ça. Donc dans un diabète de type 1, on est insulinodépendant systématiquement. C'est-à-dire qu'après toute la vie, on est traité par de l'insuline. Et il y a des pompes automatiques qui existent, etc. Ça ne les empêche pas de faire du sport, les enfants. Enfin, il y a plein de choses qui existent maintenant pour réguler ça. Et par contre, un diabète de type 2, c'est souvent quelque chose qui arrive plutôt avec le temps, je veux dire, en vieillissant, parce que souvent, c'est plutôt une conséquence, alors soit d'une prise de poids, soit d'une mauvaise hygiène de vie, soit... Enfin voilà, il y a plein de facteurs de risque qui peuvent entraîner un diabète. Il parle d'une maladie métabolique qui toucherait... qui est liée en fait à la graisse viscérale. En vieillissant, on a tendance à avoir de la graisse qui se forme autour des viscères. Et cette graisse, elle entraînerait un problème dans la bonne utilisation de l'insuline. Donc, ce n'est pas forcément que le pancréas ne sécrète pas assez d'insuline, c'est par contre qu'on ne l'utilise pas bien. Et donc, eh ben, le glucose dans le sang, il est trop présent. Et tout ça, ben, ça entraîne des problèmes derrière. Donc ça, c'est le type 2. Voilà. D'accord, mais c'est très intéressant. Tu as bien révisé. Hein. Alors, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, ben, dites-nous, n'hésitez pas évidemment dans le chat si vous avez des questions, voilà, au fil de l'eau. On va essayer de venir les piocher aussi. Hein. C'est vrai qu'on a des gros sujets à balayer, notamment ben, finalement, quelles sont les bonnes pratiques quand on est atteint de diabète, même si on le répète très souvent, ces bonnes pratiques. Mais je pense que c'est important de le rappeler. Et je regarde un petit peu ce qu'on avait. On avait notamment tout ce qui va être ben, technique de kinésithérapie pour améliorer la circulation sanguine. On en parlait un petit peu juste avant chez les patients diabétiques. Ou en tout cas, ben, quelles sont, ben, donne-nous les premières bonnes pratiques, en tout cas, ou la bonne pratique, si tu en as une, déjà pour commencer. Bah, la bonne pratique, le diabète, notamment parmi les effets qu'il peut y avoir dû au diabète, c'est des problèmes, ça accélère l'artérosclérose, donc c'est-à-dire que vous avez dans vos artères des plaques d'athérome qui se forment et ça vient soit diminuer le diamètre de l'artère, soit donc la lumière de l'artère, on appelle ça, soit carrément les obstruer. Et ces plaques d'athérome, elles peuvent être liées à l'hypercholestérolémie, à l'hyperglycémie, enfin voilà. Et du coup, comme les artères sont plus ou moins bouchées, et souvent c'est les petites artères qui sont bouchées, donc celles qui sont aux extrémités, donc celles qui vont vers les pieds, celles qui vont vers les mains, et ben ça entraîne un souci en termes de qualité de circulation du sang, d'oxygénation des tissus, etc. Donc la moindre petite blessure que vous allez avoir au pied, ça va avoir du mal à cicatriser et des choses comme ça. Donc, ben, nous, en tant que kiné, quand on vient nous voir, ben, la première chose qu'on fait souvent, c'est essayer de stimuler la circulation dans les membres inférieurs. Donc, il y a pas mal d'exercices ben, de renforcement isométrique. Après, c'est en fonction de la douleur. Parce que quand on parle de problèmes circulatoires dans les membres inférieurs, on parle d'AOMI. Donc, c'est une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et selon le stade de l'AOMI, ça peut être plus ou moins douloureux. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de faire un système de pompage. Quand vous utilisez les muscles de vos pieds, ben vous appelez le sang. Donc, on favorise la circulation du sang du cœur vers l'extrémité, donc par les artères. Et d'ailleurs, tu me disais, pour en revenir aux pieds, tu me disais tout à l'heure, et ça, je ne savais pas, que voilà, notamment, il ne faut pas marcher pieds nus, ce genre de choses. Qui peut être dangereux. Il faut faire très attention justement à ces extrémités. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que bah, c'était super. Oui, voilà, j'ai une collègue ergothérapeute qui travaille avec moi qui a un DU sur le pied diabétique. Et c'est vrai que j'ai pas mal discuté avec elle parce que les patients ne se rendent pas compte. Mais donc non seulement il y a ce problème de circulation des artères qui est souvent lié au diabète, mais il y a aussi un problème au niveau des nerfs. Donc, on appelle ça une neuropathie aussi des membres inférieurs, ce qui fait que les patients ne sentent pas très bien. Ils ne sentent pas très bien au niveau de leur dessous du pied, ils ne sentent pas très bien sur leur pied, mais à la limite, le dessus du pied, ils le voient, donc ce n'est pas très grave. Par contre, ben, comme la moindre blessure peut prendre des proportions dramatiques, étant donné que ça ne circule pas bien, que donc ça ne cicatrise pas bien, marcher pieds nus sur un Lego, ça peut... être un drame, quoi. Donc, la première consigne qu'on donne aux patients diabétiques, c'est de laver leurs pieds
une fois par jour, surveiller bien entre les orteils, éviter que ça macère. Donc on hydrate, mais on n'hydrate pas entre les orteils, on sèche bien, on observe le dessous du pied avec un petit miroir, on met des chaussettes en essayant que les chaussettes soient ni trop serrées, ni avec des coutures. Il y a des matières de chaussettes qui correspondent mieux que d'autres, etc. Pareil pour les chaussures, il faut que les chaussures soient adaptées à la taille du pied, il faut qu'elles soient pas trop serrées, évidemment. Et tout ça, c'est difficile pour les patients parce qu'ils ne sentent pas très bien leurs pieds, donc c'est vraiment quelque chose à surveiller régulièrement. D'accord, ben ça, tu vois, c'est très intéressant et tu fais bien de le dire parce que je t'avoue, je n'étais pas au courant de ça. Voilà. Donc, franchement, c'est super intéressant. Il y a des petits fascicules comme ça qui ont été créés avec le CHU de Nîmes. Et je suis persuadée que c'est possible de les demander, de les trouver. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'ergothérapeutes, de thérapeutes, de diabétologues, etc., qui travaillent ensemble. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de prévention à faire sur le pied diabétique. Et voilà, c'est très intéressant. Et tu disais d'ailleurs, si jamais il y a la moindre interrogation pour avoir vraiment des conseils vraiment précis, le site que sur lequel il faut qu'ils aillent justement. Et ben, à partir du moment où on a un diabète qui est diagnostiqué, la Fédération française de diabétologie ou la Fédération française du diabète, je ne sais plus exactement le terme, mais c'est un site, il y a en plus énormément de podcasts informatifs. Il y a avant tout, de toute façon, quand vous allez être diagnostiqué, vous allez vous tourner vers votre médecin, un diabétologue, etc. Et eux vont vous orienter. Mais c'est vrai que si vous avez des questions... et que vous n'avez pas d'interlocuteur direct tout de suite, la Fédération française de diabétologie, c'est très intéressant. Ouais, voilà, c'est bien de le dire, parce que souvent, malheureusement, quand on va sur Internet, tu sais ce que c'est, tu trouves absolument... Docteur Google. Voilà, exactement, Docteur Google. Donc, c'est important de vous diriger vraiment vers le bon site. Alors, désolé, je parle un peu, parce que j'ai la voix qui racle, je ne sais pas si ça s'entend, mais je parle un peu du nez. Mais voilà, c'était important de le dire, voilà, parce qu'encore une fois, je le dis tout le temps, mais sur Internet, il y a de tout, il y a n'importe quoi. Il y a les pseudo-influenceurs, pseudo-connaisseurs de quelque chose qui sont connaisseurs de pas grand-chose au final. Donc, c'est important vraiment de donner les bonnes pratiques et surtout les bons endroits finalement où se rendre. Et si, voilà, c'est vrai que maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ça, c'est aussi important, je pense, de pouvoir dédramatiser quelque part le diabète. Et pour toi, du coup, Mathilde, quelles seraient les meilleures stratégies? Ah, Mathilde est partie, elle revient. Allô? Ah, il n'y a plus le son, tu dois être en mute comme tout à l'heure. Problème de direct, ne vous en faites pas. Tu n'as pas le mute sur le truc? Là, on ne t'entend pas. Normalement, tu sais, comme tout à l'heure, là, sous notre image, tu l'as pas en mute, le micro? Non, on ne t'entend pas. Essaye de partir et de revenir. Au pire. Déconnecte, reconnecte. Bon, Mathilde revient, ne vous inquiétez pas. Essaye, ouais, de déconnecter, de reconnecter peut-être. Non, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. Mais en tout cas, tout ça pour le temps que Mathilde règle ses petits soucis de son. Ce qui est vraiment important de comprendre aussi, et c'est là où on va en venir, et Mathilde pourra le confirmer et rajouter des choses ou me contredire aussi, avec plaisir, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est important pour moi que vous compreniez qu'on peut dédramatiser tout ça, parce qu'on peut bien vivre avec le diabète, à condition évidemment de faire attention, mais à condition surtout d'avoir une hygiène de vie à côté qui va être importante. Et il n'y a pas de secret, c'est la même chose que ce que je répète très souvent, finalement, cette hygiène de vie-là. Et ce qui va être important, il y avait des questions, beaucoup de questions sur les meilleures stratégies pour intégrer l'activité physique, je dirais, dans la routine de quelqu'un qui est diabétique. On en a parlé tout à l'heure avec Mathilde, elle vous en parlera tout à l'heure aussi. C'est finalement 20-30 minutes chaque jour, c'est suffisant, mais à condition évidemment de le faire avec régularité. On en vient toujours à ça, finalement, toujours au côté régulier de la pratique. Ça, c'est important, c'est-à-dire que si vous ne faites qu'une heure de sport et qu'après, pendant 15 jours, vous ne faites plus rien, il n'y aura pas d'impact. Par contre, le fait de le faire avec régularité 20-30 minutes, c'est là où vous allez pouvoir avoir de l'impact. Donc ça, ce sont les meilleures stratégies pour pouvoir l'intégrer. Mathilde, est-ce que tu as réussi?
Non, je t'entends pas. Je t'entends pas. Peut-être en dessous du truc que tu as là, la vidéo, il y a une roue crantée et tu as un truc audio. Tu dois pouvoir changer le micro là. Non, on t'entend toujours pas. Les aléas du direct, mais dites-nous en tout cas en commentaire, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce que vous a dit Mathilde ou non jusqu'à présent? Et moi, je vais les regarder et les noter surtout pour qu'elles puissent vous répondre. Ah, vous voyez, vous reconnaissez derrière, hein, c'est Hugo qui vient d'arriver, qui arrive de temps en temps pendant les lives, qui est juste là. Non, on n'entend pas encore. Alors, je regarde un petit peu vos questions. Je vais vers un pédicure podologue une fois par an minimum. J'ai le son. Oui, le son. Moi, ça fonctionne. En fait, c'est l'autre côté que ça ne fonctionne pas. Mais ça va revenir. Ça va arriver. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà? Dites-moi en commentaire rapidement. Mais seulement Julien, oui, c'est normal, Zabeth, que ce soit seulement moi, ça va revenir, ça va revenir. Direct le diabète. Oui, le diabète, c'est vrai que c'est un véritable fléau, Sylvette, et c'est pour ça qu'on fait ce petit point ce soir, encore une fois, pour celles et ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. Mathilde travaille justement dans un centre où elle est kinésithérapeute pour les patients diabétiques. Donc, ça lui tenait vraiment à cœur de pouvoir vous partager justement ça ce soir et son retour d'expérience. Parce que, comme on l'a dit au début de ce live, c'est vrai qu'on l'aborde finalement très peu, trop peu. Et c'est important d'en parler. Ce qui est aussi très important de dire, on l'a dit au début, mais c'est pareil, il y a du monde qui est arrivé entre-temps. Que ce soit Mathilde ou moi, on n'est pas médecin, nous ne sommes pas nutritionnistes non plus. Donc, on va essayer d'aborder le diabète un petit peu comme de notre point de vue à nous, sans forcément rentrer dans des détails trop complexes ou trop médical, je dirais, parce que ce n'est pas notre métier et on ne veut pas dire de bêtises. C'est important de rester avec les connaissances que l'on a. Donc, c'est pour ça que c'est primordial pour moi de vous le rappeler. C'est hyper important. Alors, je regarde un petit peu si j'ai d'autres questions qui arrivent. Et je regarde un petit peu, parce qu'on va vous parler encore une fois, comme je le disais, ce qui va être primordial, et vous le savez, c'est-à-dire que quand on parle de diabète, quand on parle de remise en forme, en règle générale, ce qui est hyper important, c'est vraiment le côté global et l'approche holistique, je dirais, de votre bien-être et surtout de votre hygiène de vie. Et qu'on ait le diabète ou non, d'ailleurs, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, mettez en place des petites actions qui vont faire que vous allez pouvoir vous sentir mieux au quotidien. C'est certain que ce qui va être important, c'est aussi d'être suivi par de vrais professionnels de santé. Ça, c'est primordial, que ce soit un nutritionniste ou un diabétologue, comme l'a dit Mathilde juste avant. Ça va être vraiment très très important de pouvoir suivre ça. On ne t'entend pas encore, Mathilde. Non, non, non. Tu as une roue crantée en dessous, là, tu vois la vidéo. Tu as une roue crantée normalement et tu dois pouvoir aller sélectionner l'audio là sur l'ordinateur. Et tu devrais pouvoir sélectionner ton casque. Non, t'entends pas. On t'entend pas. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à lire sur les lèvres. Moi, je sais pas faire. Marie-Dominique qui te dit peut-être brancher avec le fil du casque. Peut-être. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Le son va revenir.
Je suis pris en charge aussi, Bernadette, par un podologue parce que je fais de la neuropathie diabétique. D'ailleurs, c'est intéressant, ça. On aura aussi très prochainement, voilà, je vous le dis en exclusivité, un podologue qui viendra aussi nous parler. Et la semaine prochaine, le mois prochain, on aura aussi une ostéopathe qui sera là. Donc, on va pouvoir parler de beaucoup de choses. Janine, vive le direct. Pauvre Mathilde, oui, c'est vrai, c'est comme ça, ce sont les aléas du direct. Ça arrive. Mais vous inquiétez pas, ça va refonctionner. Suzanne, moi j'avais un peu de diabète et j'ai supprimé toutes les sucreries. Oui, c'est certain que les sucres, tout ce qui est sucre rapide, ben forcément, ça ne va pas vous aider. Donc ça, c'est vraiment une certitude. C'est important d'aller vers des glucides plutôt complexes que des glucides simples, comme on dit. Parce que évidemment tout ce qui est sucrerie c'est comme tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est alimentation ultra transformée de toute façon on comprend vous comprenez bien que tout ça ce n'est absolument pas fait pour être en bonne santé comme on le répète très souvent malheureusement aujourd'hui la société et la société de consommation surtout fait que bien on nous propose de plus en plus de choses ultra transformées et c'est là où ça va être encore plus important d'être à l'écoute, d'être alerte de ce qui se passe et surtout de ne pas être dupe de la recette miracle qui fonctionne absolument comme ça pue un petit peu partout. Ça, je le répète très très souvent et j'insiste beaucoup là-dessus comme j'insiste encore là tout de suite là-dessus. C'est vrai que je vois que trop souvent aujourd'hui des personnes qui se disent expertes de tel ou tel sujet alors qu'elles ne le sont pas du tout, des produits qui sortent soi-disant pour résoudre telle ou telle problématique, alors que finalement, ça va potentiellement vous en créer une autre. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important de faire attention. Quand vous allez, par exemple, aller au supermarché, par exemple, savoir lire les étiquettes, ça va être aussi important. Dites-vous bien une chose, par exemple, lorsque vous allez choisir un aliment au supermarché, plus il y a des choses sur l'étiquette, plus c'est un aliment à fuir. Ce sont des indicateurs vraiment d'ultra-transformation qui sont importants. Et Mathilde, d'ailleurs, Hugo, tu peux dire à Mathilde qu'elle prenne son téléphone, au pire. Elle se connecte sur le lien et le téléphone. Oui, tout a du sucre. Oui, absolument. D'ailleurs, si vous regardez bien, hein, des fois, une simple salade, mais qui est préfaite, des fois, ça va forcément être beaucoup plus calorique, beaucoup plus sucré, parce qu'il y a plein de mauvaises choses et plein d'additifs à l'intérieur. Que des produits bruts et naturels. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Janine, il faudrait faire un live sur les étiquettes, justement. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais déjà, aller dans l'espace club où je parle de ça, je parle notamment du Nutri-Score, pourquoi ne pas s'y fier, ce qu'il faut faire, les bonnes pratiques. Après, les étiquettes, c'est franchement, on peut en parler rapidement. Encore une fois, c'est plus vous allez avoir des choses à rallonge, plus ça va être hyper, hyper compliqué et hyper mauvais finalement pour vous et pour votre bonne santé. Donc c'est pour ça que je le répète tout le temps, de pouvoir toujours aller vers des aliments qui sont plutôt bruts et pas justement issus de cette ultra transformation. Et pareil, la même chose, vous savez très souvent on me demande est-ce qu'il faut... Ah, il y a Mathilde qui revient. Allô ? Non, on ne vous entend pas. Non, j'entends comme une espèce de bruit sourd au départ quand tu te connectes et après, j'entends plus rien. Allô? Non, là non plus. Les aléas du direct. Non, là, on ne te voit pas, on ne t'entend pas, là. Janine, moi, je n'achète rien de transformé. Oui, et vous faites bien. Après, c'est sûr que je comprends aussi les personnes qui se dirigent vers ce genre de choses parce que manque de temps, ce genre de choses. Mais c'est aussi pour ça que c'est important, tout ce qui est la méthode, par exemple, du batch cooking, de pouvoir cuisiner en avance parce que ça va être important de cuisiner soi-même. Pourquoi ? Parce qu'on sait exactement ce qu'on met dans nos préparations. Et donc, là, on est pile poil aussi dans le cas du diabète, savoir ce que l'on va mettre dans nos assiettes. Donc pouvoir cuisiner soi-même, c'est encore plus important parce qu'on sait exactement ce que l'on va mettre dans notre assiette et dans nos préparations. Donc ça, c'est vraiment
presque, je dirais, vital sur le long terme. En tout cas, peu importe que vous ayez du diabète ou non d'ailleurs, mais ça va être hyper, hyper, hyper important de faire attention à ça. Donc, hyper important de pouvoir cuisiner soi-même le plus souvent possible, même si je sais que, ben oui, la société est telle qu'aujourd'hui, on manque de temps, on vit tous à 100 à l'heure. Donc, c'est vrai que c'est encore une fois hyper important de pouvoir cuisiner le plus souvent soi-même, encore une fois, avec cette méthode-là. Moi, je le fais, hein, pour tout vous dire. Je cuisine en avance des grosses quantités que je fais réchauffer ensuite tout au long de la semaine. Moi, je fais comme ça. Donc, on attend que Mathilde puisse se connecter. Et de toute façon, s'il y a trop de problèmes techniques, vous inquiétez pas, on refera ce live dans la semaine ou alors dans les semaines qui viennent. Voilà, si jamais... dans 10 minutes, c'est toujours pas bon. C'est important qu'on puisse faire ce live. Voilà, je suis désolé, ça arrive, les aléas techniques et même toutes les questions que vous avez sur le diabète. Voilà, je préfère laisser Mathilde y répondre. Pour tout vous dire, même si je connais le diabète et que je connais les bonnes pratiques dans sa globalité, je suis pas un spécialiste, donc j'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi. Voilà, je dénonce les gens qui racontent n'importe quoi, donc je vais pas vous dire n'importe quoi, moi. Je préfère faire intervenir des spécialistes qui justement, eux, vont pouvoir vous parler de leur sujet, comme Mathilde qui contrôle le diabète au quotidien, même si je connais très bien, mais je connais évidemment les bonnes pratiques pour le diabète, notamment de type 2, je suis moins à l'aise par exemple pour le diabète de type 1, je suis complètement honnête avec vous, donc c'est pour ça que c'était important pour moi que Mathilde puisse venir vous en parler, que d'autres experts puissent en parler, comme il y a d'autres experts qui en parlent à l'intérieur de rester jeune, parce qu'à chaque fois que j'avance quelque chose, je l'avance avec des recherches, évidemment. Alors, je regarde un petit peu d'autres commentaires. Est-ce que vous avez d'ailleurs des questions par rapport aux aliments ultra transformés, ce genre de choses? Ça, par contre, c'est un sujet que je connais bien, donc on peut en parler si vous voulez. On va attendre de voir si Mathilde arrive à se reconnecter. Encore une fois, si Mathilde n'arrive pas à se reconnecter, ce n'est pas grave, on refera un live la prochaine fois avec Mathilde où on parlera de ça. On parlera également, parce que encore une fois, Mathilde est kinésithérapeute, donc si ça vous intéresse, d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que Mathilde revienne pour parler également, en plus du diabète la prochaine fois, potentiellement d'arthrose, de fibromyalgie, ce genre de choses. Si vous avez des questions spécifiques, vu qu'elle est kinésithérapeute, hein, c'est son métier. Donc voilà, si ça vous intéresse, on pourra aussi prévoir un petit live sur ce sujet-là, parce que ça peut être hyper intéressant. Vispeta, moi je prépare en batch cooking pour 2 semaines et je congèle par portion. Du coup, c'est super pratique quand on bosse. Exactement, c'est exactement ça. Et ça c'est vraiment parfait ce que vous faites. Continuer comme ça, c'est impeccable. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont le plan nutritionnel de rester jeune, n'hésitez pas à aller voir, il y a aussi des conseils de conservation par rapport aux aliments. Voilà, tel aliment peut être conservé tant de temps dans le frigo, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Chantal, bien sûr que ça nous intéresse que Mathilde revienne sur d'autres sujets. Oui, voilà, encore une fois, voilà, je suis désolé, ce sont les aléas du direct. Ça arrive, mais voilà, la prochaine fois on essaiera de faire en sorte que ça n'arrive pas ou plus. C'est bizarre, ça marchait très bien, mais voilà, c'est comme ça. Dominique, surtout l'arthrose. Oui, je comprends. D'ailleurs, vous êtes beaucoup, et j'en profite tant que j'y pense, parce qu'on parle d'arthrose, etc. Vous savez, il y a la semaine dernière, je vous ai demandé, je vous ai dit que j'allais vous envoyer un questionnaire à répondre en vue des Jeux Olympiques. Et donc, je voulais envoyer. On va vous le renvoyer parce que malheureusement, vous n'avez pas été assez nombreux et nombreuses à y répondre. Il faut qu'on ait au moins 1000 réponses. Aujourd'hui, on n'est qu'à 600 ou 650, je ne sais plus. Du coup, quand on va vous l'envoyer, n'hésitez pas à le partager aussi autour de vous, en tout cas pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent répondre. Alors, si elles n'arrivent pas à répondre à la dernière question qui est recommandée, il y a une dernière question qui dit « Est-ce que vous recommanderiez rester jeune aux gens qui en ont besoin ?» Si les gens ne connaissent pas rester jeune, c'est compliqué. Alors Mathilde essaie de revenir. Mais Mathilde, t'embête pas, hein, si tu m'entends, si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on refera un live la prochaine fois, c'est pas un souci.
Claude, oui, ça m'intéresse, il faut revoir Mathilde. Oui, donc voilà, Mathilde pourra revenir pour un prochain live où on parlera du diabète si elle n'arrive pas à se connecter. Et voilà, elle m'envoie un petit message, elle est désolée. T'inquiète pas, Mathilde, c'est pas grave, on refera un live la prochaine fois. C'est pas grave, c'est pas grave, on reprogramme ça, il n'y a pas de problème. Donc on reprogramme ce live. De ce soir donc où on parlait donc du diabète. Ben, ce que je vous propose au lieu de justement de parler que du diabète ce soir, si vous avez ben, des questions plutôt que de partir, il nous reste encore un petit peu de temps. Voilà, je suis content d'être là avec vous ce soir. Ben, est-ce que vous avez des questions sur rester jeune? Est-ce que vous avez des questions voilà par rapport au programme, aux différents programmes, ce genre de choses? Ben, je vais y répondre. Voilà, on passe un petit quart d'heure ensemble où je peux répondre à ça avec grand plaisir. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des questions et on passe un petit quart d'heure comme ça où je vais répondre à vos questions. Pardon, excusez-moi encore une fois, je suis un petit peu malade. Alors je regarde un petit peu, j'ai vu des questions. Zabed du fitness de Julien et régime équilibré. Oui, absolument. Ce qui est important, encore une fois, c'est de manger équilibré, mais pas de régime. Françoise, régime, que faire? Moi, il faut savoir que ce soit au travers de rester jeune, que ce soit au travers de tout ce que je vais proposer comme ben, programme ou autre, je suis contre, moi, toute forme de régime. Je suis contre toute forme de régime. Pourquoi? Parce que, encore une fois, certains régimes vont vous promettre la lune, vont vous promettre de perdre du poids très vite. Malheureusement, vont aussi potentiellement vous créer énormément de carences. Donc moi, je suis contre toute forme de régime, toute forme de restriction, parce que je trouve que justement, c'est absolument pas adapté. C'est vraiment ce mot régime me fait un petit peu hérisser les poils parce que je n'aime pas ça. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est l'équilibre alimentaire qui est primordial. Ce qui est primordial, c'est de varier ce que vous allez mettre dans votre assiette aussi. C'est de ne pas vous priver. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, je parle d'ultra transformation très souvent, c'est pas parce qu'une fois de temps en temps, vous allez manger un hamburger que ça va tout révolutionner. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est important, c'est de suivre une règle simple qui, moi, c'est celle que j'applique, celle des 80-20 ou 80% du temps, 90% du temps peut-être, vous allez manger sainement et 10%, 20% du temps restant, vous allez vous faire plaisir. En fait, il faut vraiment trouver son propre équilibre. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je n'aime pas parler de régime, même le mot régime, le terme lui-même, je n'aime pas ça et j'en parle ben, jamais parce que ce n'est pour moi pas approprié. Ce qui est important, c'est vraiment de trouver un équilibre alimentaire, mais pas que, même un équilibre de vie, parce que encore une fois, ce que je prône autour de rester jeune depuis le départ, c'est vraiment l'hygiène de vie globale, c'est-à-dire que oui, il faut faire attention à ce qu'on mange, oui, il faut faire du sport, mais il faut aussi prendre soin de son sommeil, prendre soin de son hydratation, sa gestion du stress, son développement personnel, bref, je le répète souvent, mais voilà, je ne le répéterai jamais assez, ce sont vraiment tous ces axes-là qui sont hyper, hyper importants à prendre en compte. Donc voilà, c'est vrai que ce terme régime est hyper sensible, je dirais pour moi. Alors, je regarde encore un petit peu Mathilde qui me dit, c'est le terme régime que tu aimes pas. Ouais, c'est vrai, exactement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, je vois que vous avez que des questions à propos du diabète. Je préfère garder ces questions pour le live quand on le fera avec Mathilde qui a vraiment travaillé le sujet ce soir et qui pourra vous répondre. J'ai pas envie de répondre n'importe quoi. Ce soir, encore une fois, c'est pas mon sujet de prédilection. Bien que je sache et je connaisse les bonnes pratiques, mais je préfère qu'on aille plus loin avec Mathilde quand on sera tous les deux pour parler du sujet. En tout cas, voilà, désolé encore une fois pour ce petit contretemps technique ce soir. J'espère quand même que vous avez passé une bonne petite. Ça fait quand même 35 minutes, mine de rien, qu'on y est en live. Voilà, en tout cas, dites-moi.
Dites-moi en commentaire si vous serez là quand même pour la prochaine fois qu'on fera ce petit live spécial diabète. Voilà, encore une fois, désolé pour ce petit couac technique. Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement, hein, c'est du direct. Donc forcément, de temps en temps, la technologie, ça peut faire un petit peu couac. Marie-Hélène, tiens, intéressant. J'ai pris une fois le rééquilibrage alimentaire de 4 semaines. Et je n'ai pas ouvert le programme car je le trouve contraignant, désolé pour moi. Oui, parce que déjà, si vous ne l'avez pas ouvert, c'est pas que c'est contraignant, c'est que vous n'avez juste pas ouvert, malheureusement. Et oui, c'est dommage, parce que pendant ces 4 semaines, justement, le rééquilibrage alimentaire, c'est pas contraignant. J'ai voulu le penser pour que ce soit le plus simple possible. Donc franchement, c'est hyper simple. Vous avez juste à le suivre étape par étape, semaine après semaine. On y va par étape. C'est pas juste on claque des doigts, on change tout, on révolutionne tout. Non, on y va par étape. Donc oui, Marie-Hélène, vous auriez dû le suivre. Et si vous avez encore accès, n'hésitez pas à le faire parce que justement, je l'ai conçu pour que ce soit hyper simple, hyper intuitif et que ça aille vraiment étape par étape, encore une fois, qu'on mette des choses en place petit à petit pour arriver justement à notre objectif final. Vispo, ne t'inquiète pas, Julien, on reviendra avec plaisir. Parfait, merci beaucoup, merci beaucoup. Christine, je reviendrai pour le diabète et pour d'autres sujets. Merci infiniment. Louise, je serai là la prochaine fois, à bientôt. Louise, Chantal, oui, je ne suis pas responsable des problèmes techniques, je sais, merci beaucoup, c'est très gentil. En Chantal, faut-il faire du sport tous les jours, y compris le week-end? Alors, encore une fois, ça va dépendre de ce que vous entendez sport. Bouger, il faut le faire le plus souvent possible. Faire de l'activité physique pure, vous n'êtes pas obligé d'en faire tous les jours. Vous pouvez en faire 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, encore une fois, à coup de 20 minutes, de 30 minutes. Pas besoin d'en faire tous les jours pendant 2 heures, c'est contre-productif. Par contre, bouger, ça, c'est hyper important de bouger tous les jours. Et de bouger, que ce soit quand vous faites de l'activité physique, mais pas que. Je parle très souvent aussi d'un terme qui est peu connu, qui s'appelle le NEAT. Le NEAT, en fait, c'est tout ce que l'on fait en dehors de notre période d'activité physique. Donc, par exemple, si on prend les escaliers au lieu de l'ascenseur, si on fait le ménage, si on fait la vaisselle, ça va venir augmenter notre NEAT. Notre NEAT, c'est voilà, c'est le plus on bouge, plus notre NEAT augmente. Donc, le but, il est de bouger le plus possible parce que c'est hyper important de bouger le plus possible. Et après, pour ce qui est du sport pur et l'activité physique, non, si vous en faites tous les jours et que ça vous convient, vous faites vos 20 minutes chaque jour pendant 7 jours sur 7, c'est très bien. En faire 2 heures tous les jours, non, pas forcément. Vous pouvez très bien en faire 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, encore une fois. Ça, ce n'est pas du tout un souci. Le tout, c'est d'être régulier. De ne pas faire, par exemple, 7 jours sur 7 parce que vous voulez complètement tout changer. Et puis ensuite, vous arrêtez une semaine, reprendre 3 jours, vous arrêtez 15 jours. Ça ne fonctionne pas. Et ça, vous n'aurez aucun résultat avec ça, que ce soit, si vous voulez, je ne sais pas moi, perdre du poids ou réduire vos douleurs. Ça ne fonctionnera pas. Claude, j'ai fait il y a un moment le rééquilibrage et j'ai trouvé génial. Merci beaucoup Claude, c'est très gentil. Voilà, en tout cas, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore à vous d'avoir été nombreux et nombreuses ce soir pour ce petit live. Voilà, je suis désolé de ce petit problème technique. On aura évidemment l'occasion de le refaire, d'en reparler du diabète. Mathilde viendra aussi intervenir potentiellement sur les problèmes et les douleurs chroniques avec grand, grand, grand plaisir. Chantal, grâce à votre méthode, je bouge plus et mes séances du matin sont devenues indispensables. Merci beaucoup, c'est très gentil. Josiane, je passe un temps fou à lire les étiquetages aux courses. Mais je comprends, et vous faites bien. Franchement, vous faites bien. Toujours lire les étiquettes, c'est très important. Ne pas juste se fier à la lettre qu'il y a sur le Nutri-Score, toujours aller plus loin. C'est hyper important, hyper important. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été là encore une fois ce soir. Désolé encore une fois pour ce petit problème technique. On se retrouve très très vite évidemment la semaine prochaine. Aussi lundi 19h, il n'y aura pas de problème technique. En tout cas, j'espère, je touche du bois. Donc voilà, on se retrouve lundi prochain en live 19h encore une fois comme toujours. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez actifs et actives le plus souvent possible. Vous le savez, c'est hyper important. C'est la clé du succès. Et évidemment, je vous dis à très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.